Bonjour à tous. Le film se déroule en Inde où l'on voit un jeune homme célèbre lors d'une grande fête et les gens se concentrent avec lui pendant le tournage, mais le jeune homme les ignore tout et choisit de danser avec une fille nommée Rishi qui semble être au top du bonheur. Rishi se réveille soudainement à la voix de sa mère et découvre qu'elle ne faisait que rêver. Rishi est une fille en surpoids bien qu'elle aime sa forme. Mais sa mère dit que son poids est un obstacle dans sa vie et peut-être la raison pour laquelle elle ne se marie pas. La mère de Rishi parle à sa fille d'un futur marié et lui demande de se préparer rapidement et soudain, le marié et sa famille arrivent et nous découvrons qu'il s'appelle Tito. Rishi essaie de connaître Tito et lui pose des questions sur ses rêves et Tito répond en disant qu'il possède un magasin de disques et souhaite ouvrir plus d'un magasin. Mais Rishi est surprise car elle sent que son ambition est étrange. Rishi commence à parler d'elle-même et dit que son rêve de vie est de devenir présentatrice puis lui demande de regarder ses vidéos mais Tito se moque de son rêve et dit qu'une présentatrice doit être gracieuse. Rishi est pleinement conscient que Tito ne veut pas l'épouser, mais ses parents l'ont forcé à venir chez Rishi, ce qui commence à créer des excuses pour mettre fin au mariage, mais Tito décide finalement d'avouer la vérité. Tito dit qu'il n'épousera pas une grosse fille comme Rishi et lui conseille ensuite de maigrir si elle veut travailler ou se marier. Et la mère de Rishi semble très contrariée que sa fille ait atteint l'âge de 30 ans et ne se soit pas encore mariée à cause de son excès de poids. Ailleurs en Inde, une belle fille nommée Sarah, qui était dans un magasin de vêtements, essaie d'acheter de nouveaux vêtements à porter pour une fête ce soir, mais la robe qu'elle mesure est déchirée à cause de son excès de poids. Sarah se bat avec le propriétaire du magasin et lui dit qu'il falsifie les tailles qui semblent petites, bien qu'ils écrivent sur les robes taille double XL. Mais l'employé essaie de convaincre Sarah en disant que le problème est son excès de poids, pas les tailles. L'employé ne parvient pas à convaincre Sarah, qui quitte la boutique après avoir acheté les vêtements dont elle a besoin à la fête de son amant Frank, qu'il a invité lui-même à la fête. Sarah travaille comme créatrice de mode et espère trouver un financier pour son travail. Frank travaille comme mannequin et a l'intention de travailler avec Sarah, mais son amie est mal à l'aise avec Frank car elle sent qu'il essaie de profiter de Sarah, qui se bat avec son amie et lui demande de ne pas parler de son amant Frank mal parce qu'elle l'aime et lui fait confiance. La nuit, Sarah se rend à la fête et trouve Frank, qui la présente à ses amis, puis reçoit un appel de son frère, qui lui dit qu'il a trouvé un producteur pour son film, qui parle de mode. Sarah est ravie et décide ensuite d'annoncer la nouvelle à Frank, mais elle est choquée lorsqu'elle remarque que ses amis l'intimident à cause de son excès de poids et disent que Frank ne l'aime pas parce qu'il essaie de l'utiliser pour entrer dans le monde de la mode. Nous revenons à Rishi qui avoue à ses parents qu'elle aimerait travailler comme présentatrice et dit qu'elle a rendez-vous pour une interview sur une chaîne importante demain matin, mais sa mère rejette complètement l'idée et parvient à une solution après une longue discussion. La mère de Rishi permet à sa fille Rishi de voyager et de travailler comme elle le souhaite si elle réussit un entretien demain, mais elle sera obligée d'épouser le premier homme si elle échoue à l'entretien, qui se tiendra dans la ville indienne de Delhi. Nous passons à Sarah, qui est surprise par la visite de son frère, qui regarde ses créations et aime visiblement le travail de sa sœur, et lui pose des questions sur le réalisateur qui produira le nouveau film, et Sarah dit que le réalisateur est l'un des amis de son petit ami Frank. Sarah décide de rendre visite à son petit ami Frank pour dîner avec lui, mais elle est choquée lorsqu'elle découvre que Frank cachait une fille sur le balcon et se rend compte qu'il la trompe, puis elle décide de rester debout et de pleurer seule et ressent des regrets parce qu'elle n'a pas cru les paroles de son ami. Le lendemain, Rishi se rend dans l'entreprise où elle va mener l'entretien et s'assoit dans la salle d'attente avec le reste des filles qui participeront à l'entretien. Le tour de Rishi arrive et l'employé refuse de la laisser entrer en arguant qu'une autre fille a été acceptée et qu'il n'est pas nécessaire d'interviewer Rishi qui se met très en colère et essaie de la convaincre mais échoue. Rishi découvre que la présentatrice est choisie sur la base de la forme et du poids avant toute autre chose, puis demande à rencontrer elle-même le responsable de la chaîne. Mais l'employé s'excuse auprès d'elle et lui dit que le responsable de la chaîne s'est rendu à Londres. Sarah essaie de trouver une solution pour le film avec son frère et son ami car elle ne trouve pas de réalisateur pour le film après avoir rompu avec Frank parce qu'il l'a trompé. Mais Sarah est frustrée car le producteur du film l'attend à Londres et elle n'est pas encore prête. Sarah entre dans la salle de bain et se met à pleurer,
puis essaie de chercher un mouchoir mais est surprise en lui jetant la boîte de mouchoirs et il semble que Richie soit dans la salle de bain et qu'elle pleure aussi. Sarah et Richie apprennent à se connaître et essaient de se consoler et Richie dit qu'elle a peur de retourner chez ses parents après avoir échoué à l'entretien parce qu'elle ne veut pas se marier. Richie demande à Sarah de regarder ses vidéos et lui dit que c'est elle qui a réalisé et tourné les vidéos. Sarah demande à Richie de devenir la réalisatrice de son film qui sera tourné à Londres. Richie se rend compte que l'opportunité est bonne de rencontrer le responsable de la chaîne, qui est à Londres, puis accepte l'offre de Sarah, malgré le fait qu'elle n'a aucune expérience dans le domaine de la photographie de mode. Sarah rencontre son frère et lui dit que Richie est celui qui sera la réalisatrice du film et qu'ils sont prêts à se rendre à Londres. Richie appelle sa mère et lui ment en lui disant qu'elle a été acceptée pour un poste d'annonceur et va se rendre à Londres pour enregistrer le programme. Richie est obligé de rester dans l'appartement de Sarah pendant quelques jours jusqu'à ce que la date du voyage arrive. Puis les deux filles apprennent à se connaître davantage et deviennent amies. Le jour du voyage, Sarah et Richie arrivent à Londres avec la personne responsable du tournage du film nommé Sharon, puis ils se rendent avec le chauffeur du producteur de film nommé Luc à l'hôtel et décident de dormir dans une chambre par manque de budget. Richie a peur que le film ne réussisse pas à cause d'elle car elle n'a jamais réalisé un film comme celui-ci auparavant, mais Sarah essaie de la calmer. Le lendemain, les trois s'apprêtent à rencontrer le producteur du film et la surprise est que le producteur du film est le même chauffeur Luc. Sarah aimerait tourner le film pour convaincre n'importe quel financier d'accepter d'ouvrir une boutique vendant sa mode. Luc dit que son budget est limité et qu'il est incapable d'amener des mannequins célèbres. Puis les trois décident de faire un tour de la ville pour mieux la connaître et choisir les lieux de tournage du film. En chemin, Luc commence à chercher une jolie fille pour la convaincre de porter les costumes de Sarah pour éviter de dépenser beaucoup d'argent afin que les photos soient plus spontanées et que l'idée semble fonctionner. Tout le monde a réussi à terminer une grande partie du film, bien que la plupart d'entre eux soient encore débutants et n'aient aucune expérience dans le domaine. Luc entre soudainement et dit qu'un des athlètes est avec eux à Londres. Luc dit qu'il a réussi à obtenir un rendez-vous avec l'athlète pour que Richie puisse faire une interview de presse avec lui et lui dit que c'est la chance de sa vie car les chaînes la poursuivront si elle réussit l'interview de presse avec l'athlète. Le jour de l'interview, Richie est très nerveux mais Sarah se tient à ses côtés et il est clair que le célèbre athlète est impressionné par la performance de Richie et dit qu'il a fait la meilleure interview de sa vie. La nuit, les quatre sortent pour célébrer le succès de Richie et se sentent fiers de l'accomplissement qu'ils ont accompli et boivent beaucoup de vin et sur le chemin du retour. Les quatre rencontrent le propriétaire de la chaîne qui a refusé d'embaucher Richie au début des événements du film. Tout le monde demande au propriétaire de la chaîne de regarder la vidéo de l'interview de presse de Richie avec le célèbre athlète, afin qu'il accepte de l'embaucher. Puis l'homme prend la vidéo et leur promet de la regarder plus tard. Richie découvre qu'ils ont donné au propriétaire de la chaîne la vidéo dans laquelle ils dansaient ensemble au bar et non la vidéo de l'interview de presse. Puis elle passe les jours seule à cause du chagrin et Sarah essaie de la consoler. Richie dit que sa mère l'a appelée et lui a parlé de mariage. Et Richie semble avoir peur qu'elle ne puisse pas réaliser ses rêves parce que sa mère pourrait la forcer à se marier sans rien accomplir dans sa vie. Sarah décide de sortir avec Richie pour manger. Puis il commence à se moquer du point de vue des gens sur la grosse fille et il pense que la société opprime la grosse fille parce que ce n'est pas son droit de travailler ou de trouver un homme pour l'aimer. Puis les deux sont frustrés. Sarah retourne soudainement à l'hôtel avec Richie et dit ensuite à tout le monde qu'elle envisage de ne pas concevoir de costumes pour une certaine catégorie de personnes en échange de la conception de costumes que tout le monde peut porter, quel que soit son poids ou sa classe sociale. Sarah commence à chercher de gros modèles pour que les gens puissent voir que les costumes que Sarah conçoit sont pour tout le monde. Sarah est fière d'elle-même car elle a pu réaliser le rêve des grosses filles. Un jour, Sarah a un pied cassé. Puis elle est transportée d'urgence à l'hôpital, puis elle se rétablit et a juste besoin de repos et il est clair que le producteur de film Luc a peur pour elle parce qu'il a le béguin pour elle. Sarah reçoit un appel de son ex-petit ami Franck, qui essaie de lui revenir, mais elle hésite à lui répondre jusqu'à ce que lui intervienne et réponde à Franck et se batte avec lui, et il semble que Sarah soit heureuse parce qu'elle l'aime aussi. Un jour, les quatre se rencontrent dans la pièce pour regarder la télévision et soudain,
Rishi reçoit un appel de sa mère qui commence à douter d'elle parce qu'elle n'est encore apparue dans aucune émission et la force ensuite à retourner en Inde pour se marier. Rishi reste déprimé mais Sharon essaie de la sortir de son chagrin mais échoue et il est clair qu'il l'aime et qu'il est prêt à tout pour elle. Tous les quatre ont terminé le tournage du film, bien que Sarah soit inquiète car elle pense que l'idée du film n'aime peut-être pas les financiers. Mais elle est fière d'elle-même car elle a pu faire quelque chose d'utile pour tout le monde. Rishi reçoit un appel du propriétaire de la chaîne qui lui dit qu'il a regardé l'interview de presse dans laquelle elle était avec le célèbre athlète et lui assure qu'il est tellement impressionné par sa performance qu'il accepte de l'embaucher comme annonceur du programme sportif qui est diffusé sur sa chaîne. Rishi est ravi et découvre que c'est Sharon qui a posté la vidéo de l'interview de presse sur Internet lorsqu'il a remarqué qu'elle était bouleversée et il semble que Rishi soit devenu fan de lui aussi. Le lendemain, Rishi retourne en Inde et dit à sa famille qu'elle a eu l'opportunité de travailler pour un bon montant et demande à sa mère de ne plus penser que son excès de poids pourrait être un obstacle dans sa vie. Quelques jours plus tard, la date du défilé de mode de Sarah arrive et la surprise est qu'elle choisit Rishi pour être la championne du défilé de mode et dit ensuite que les costumes qu'elle conçoit sont pour toutes les catégories. Les financiers sont impressionnés par l'idée de Sarah et acceptent ensuite de financer son projet et à la fin du film, Sarah et Rishi ont pu réaliser leurs rêves sans succomber à la vision de la société à leur égard et ont pu résoudre leurs problèmes de poids après une longue lutte contre l'excès de poids.